instruments les plus anciens qui existent, grâce au son formé lorsque la corde d'un arc est relâchée. Puis, petit à petit, les hommes ont eu l'idée de rajouter d'autres cordes à cet arc pour avoir des sons différents. Ainsi est née la harpe, que l'on retrouve en Égypte antique, dans les pays celtes, au Moyen-Âge, jusqu'à la harpe moderne de maintenant, qu'on appelle aussi harpe à pédales. Elle a ce nom car, en plus des 47 cordes qui peuvent être assimilées aux touches blanches du piano, elle a aussi 7 pédales qui permettent de changer la hauteur des notes et d'ainsi d'avoir aussi toutes les touches noires. On a donc toutes les altérations du bémol, puis le bécart, jusqu'au dièse. Cependant, cette harpe est un peu grande pour commencer à apprendre lorsqu'on est petit. Pour cela, on commence sur la harpe celtique. Elle est un petit peu plus petite, avec 34 ou 36 cordes et des crochets au-dessus de chaque corde à la place des pédales. Pour se repérer, les cordes de la harpe ont différentes couleurs. Tous les dos sont en rouge. Et tous les fa sont en noir. Ensuite, il suffit de compter entre pour avoir toutes les notes de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on revient sur le Do. La harpe permet de jouer plusieurs styles différents. Elle est un peu entre la guitare et le piano. On dit que c'est un instrument polyphonique car elle peut jouer plusieurs notes à la fois. On peut donc jouer une mélodie et son accompagnement en même temps. Pour cela, on lit deux lignes à la fois, la ligne de la clé de sol pour la main droite et la clé de fa pour la main gauche. On peut faire plein de sons différents à la harpe. Tout d'abord, le son naturel des cordes. Ensuite, les glissés, si typiques à la harpe, qu'on obtient juste en glissant le doigt sur les cordes. On trouve aussi des harmoniques qui donnent un son un peu plus rond et plus aigu que les cordes normales. Enfin, on peut aussi jouer avec les ongles ou en tapant sur la table. Un des grands avantages de la harpe est aussi de pouvoir jouer à l'orchestre. La harpe a toujours un rôle très particulier à ce moment-là, assez délicat et souvent féerique et magique. Pour moi, c'était à cause du dessin animé Les Aristochats de Disney. Mais on peut aussi trouver qu'elle ressemble à une aile de papillon. En tout cas, elle a toujours un son si particulier qu'aucun autre instrument ne lui ressemble. Quand on en joue, elle repose sur notre épaule et on la tient entre nos bras. Donc c'est comme si on était toujours à côté d'une amie.